Il s'appelle Pierre et il excelle en menuiserie. Elle s'appelle Elodie et c'est une perfectionniste de la peinture décorative. Tous les deux suivent actuellement un programme intensif pour préparer la finale nationale des Olympiades des métiers à Clermont-Ferrand. Un entraînement rigoureux, encadré de près par formateurs et professeurs. Le jour J, leurs poulains devront être au mieux de leur forme, notamment pour optimiser le temps de concours. Le plus difficile, c'est de réaliser cet exercice dans le temps donné, puisqu'en fait, ce sont des choses simples, c'est des choses de base du métier, difficultés de base, mais il faut les réaliser très très vite. Il faut résister aussi à la pression. Effectivement, optimiser le temps d'épreuve, c'est aussi savoir gérer son stress face aux autres candidats et face au public. Quand ça marche bien et qu'il y a de la pression, c'est engageant. Mais quand ça ne marche pas et qu'il y a de la pression, c'est vite oppressant. Donc, faut rester concentré, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Pour Elodie, même si la pression peut être rapidement pesante, l'envie de faire valoir ses qualités professionnelles reste l'objectif premier. Ce que je recherche avant tout, surtout, c'est de repousser mes limites au maximum, voir ce que je suis capable de faire et de pouvoir me comparer aussi quelque part à d'autres personnes, quoi, voir un petit peu mon niveau. Techniquement, moralement et avec le vécu, le vécu aussi du métier de formateur, le vécu de mes années professionnelles aussi, ça me permet aussi d'avoir une expérience et de savoir, je sais un petit peu où elle va. Et sûrement qu'elle parle à la guide. Dans quelques jours, Elodie affrontera une trentaine d'autres candidats et Pierre une vingtaine de menuisiers, tous déterminés à représenter la France à Leipzig en juillet prochain.